Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas pourquoi. Ça fait que me signaler. De toute façon, les jeux gratuits, il n'y en a pas d'autres. Non, il m'intéresse pas ce qu'il y a. Hop là. J'espère que vous avez bien mangé. On part à l'attaque de Doors. Attends, hop. Voilà, je préfère faire ça comme ça. Hop, on part à l'attaque du deuxième chapitre de Doors Paradox. Alors, j'espère qu'il va finir par moins... moins être casse-pied. C'est vrai qu'avec tous les bugs où il suffit que de se déconnecter, c'est un petit chouïa casse-pied. Dommage que le jeu, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir tout seul. Comment était ta journée? Ton client a fini par répondre. J'adorais ce tantôt. Ouais. Oui, je suis un bon jeu, vous écoutez donc mon client se décide. Ça va, on te grille pas au moins quand tu fais au bout. Fais attention, hein. Je veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Je préfère que vous ne veniez pas et que tout se passe bien. Si tu n'arrives pas à ouvrir des portes, tente de toquer à la porte, on sait jamais. Alors le problème, c'est que c'est un chat. Et qu'apparemment, les poignées sont rondes. Je suis pas sûre que le chat arrive à ouvrir la porte lui-même. Vu le nombre de portes qu'on lui a ouvert, je pense que le chat ne sait pas ouvrir les portes. Voilà, c'est un autre chapitre, donc c'est peut-être pas le chat. Vu que on part sur un autre chapitre, c'est peut-être une histoire totalement différente. On va le savoir. Bon, apparemment c'est toujours le chat noir. En avoir fait beaucoup ne vous empêche pas d'en vouloir plus, toujours plus. Non. Moi, non. J'en veux pas plus, toujours plus. Par contre, pourquoi ça, j'ai ça qui se met en... Bon, déjà, on va faire ça. Voilà. Et puis, merci, c'est mieux. Hop là, désolé, j'avais... Ah, je savais qu'il allait faire des capsules de la cafetière. Oh
en a bousillé la peinture. Faudra pas le dire au Louvre, hein. On a pas fait exprès. C'est pas nous. La peinture de la Joconde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la peinture de la Joconde ressemble plus à une peinture de Joconde, je l'ai arrachée. Elle est là, la Joconde. C'est pas de ma faute, tu m'avais caché quelque chose. La Joconde dessus? Oui. Il doit y avoir... Ah non. Vous pouvez revendre le tableau. Ah bah là, on peut plus revendre rien du tout. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il faut là. Oh oui, surtout un tableau de la Joconde. T'es pas censé dodo, toi. À demain, mon poussin. Orca, tu vois la même chose que moi là. Allez bébé, s'il te plaît. On fait quoi au gars là? On le laisse dans la porte? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que là-haut on a quelque chose? Ouais, mais apparemment il y aurait un truc sur les ailes. Mais apparemment c'est à voir avec ce mécanisme là. Mais ça, ça veut pas aller là. Je vois pas où ça peut aller. Non, j'ai pas de boulon à mettre là non plus. Ah, t'es dans le tiroir. Regardez ça, dans le tiroir, il y avait une clé. Est-ce que j'ai une clé là? Mais c'est pas clé. Pour une clé, il faut une serrure, les gars. Ou quand même. Vous voulez pas me... Sous le tapis, hein? C'est quoi le plan là? Apparemment, il me reste que ça à faire. Je suis passé en dessous de toi, merci. Dors. Mais Dors, merci. Paradoxe, merci. Tu es gentil, je téléphone quand tu veux. Hop. Suffisait de mouliner la roue, hein. Ok, on a le bonhomme à mettre. Bonjour le bonhomme. On a le bonhomme à mettre ici. Oscar. Tu crois qu'il s'appelle Oscar? C'est un peu space hein, ce qu'on faisait au bonhomme hein, quand même. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'était quand même un peu space. On s'est pris pour des apprentis... apprentis docteurs là ou quoi? Mais vraiment apprentis, hein, parce que franchement, vu ce qu'on vient de lui faire... le pauvre. Sésame, ouvre-toi. Si tu veux bien.
Allô, Sésame? Ah, quand même, merci. Tu le dis, hein, si vraiment tu veux pas que je m'en aille d'ici. Hein. Mystère musical. On va faire chanter Oscar. Dans quel sens? Alors. Ok. Ok. Oh, j'ai beaucoup d'outils sur ce coup-là. Hein. Bon, le tournevis déjà. Pas pu rattraper le boulon. Toujours garder les boulons. Ah, ils volent pas. Hein. Je suis censé faire quoi maintenant? Genou Mozart. Je peux même pas. Je peux même pas. Ok. Je sais pas jouer de la musique, hein, je vous préviens. La moulinette chin chin. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais les mecs, je suis censé faire quoi? Je sais quoi dalle. Attends, ici, il y a une bobette. Ah oui. Ah, on n'a pas lu le mot ce coup-ci. Attends, il faudrait qu'on le retrouve. Ça, c'est quoi ça? Bon, si tu veux, toi, je te mets ça. Oula! Les 4 saisons, bah oui, non, ça c'est Vivaldi. Ah oui. J'ai vu après que t'avais précisé Vivaldi. Ok. En haut à gauche, c'est parolier. Ah, t'as bien vu toi. Ah, attends. On va croire que j'avais tout retenu. Oh la note là, qui... on a perdu les cordes. On a pété les cordes là sur ce coup là. Ah, un cylindre. Ah, oui,
Merci mon petit pioui. Un 1 à gauche est pas relié. Bah ouais, mais le problème c'est si je le relis là. Merci mon petit pioui, je te raide tout seul. Eh ben c'est pas grave, même tout seul tu es important. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Parce que toi tu aurais voulu que je fasse comme ça, mais ça veut dire que là ça bloque là. Donc je pense pas que ce soit ça. Pourtant je suis là aussi. Mais tu es le bienvenu. Chibitrin. Merci d'avoir suivi le raid. Au moins Tipeee se sent moins seul. En bas remets. En bas remets. Ouais, comme ça. Comment vous allez, Chibitrin? Et puis, petit Pioui, comment vous allez? Par contre, je dois aller manger. Je meurs de faim. Eh bien, va manger. Va manger, petit Pioui. Ah bah, ça veut dire que Twitch compte pas le streamer. Ah mais non, Twitch ne compte pas le streamer. Hein. Fatigué, mais ça va, et toi? Bah écoute, nous, on se casse un peu les méninges. Autrement, on est malade, mais tout va bien. Et sur le bouton rose, ben je pense qu'il doit me manquer un truc pour mettre sur le bouton rose. Pour ça que ça fonctionne pas. Pour ça que je vais aller engouffrer le cylindre dans la bébête. Wow, la note. Attention. Mais pourquoi tu te sens bien? Je sais pas, faut que je fasse un truc. Oh non. Quoi? Tes gants étaient sous ton lit? Triple bus de patates. Mais ah attends. Donc là ça marche plus. Attends, ok, j'ai capté. 3 et 4. Ouais, tu peux te moucher, ouais. Est-ce que t'as un mouchoir? Je t'en ai mis dans ton lit. Après, si tu veux, tu peux emmener de l'actif souffle et t'en remettre quand tu te mouches après. Non? Et reste dans ton lit, mon cœur, tu as froid. Hop. Virtuose. Franchement, la musique était pas cacavelle, hein. C'était ni du Vivaldi, ni du Mozart, hein. Demolène ou demolène pas? Oh, le jeu va planter. Non, c'est bon. Oui, alors, pour ceux qui sont pas habitués, c'est un jeu qui est habitué à planter. Donc, Ok, ça c'est du mécanisme. Une musique que j'adore, c'est la Gazaladra de Rossoni. Faudra que j'écoute parce que je me rappelle plus. Enfin, du moins, je suis sûre que je me rappelle de la musique, mais de là à savoir le nom.
Elle est maintenant temps d'aller explorer ce monde loin dans le futur, là où l'humanité n'existe plus. Ok, donc dans la première version, déjà on était pas mal dans le dépressif. Là, carrément, on a exterminé l'humanité. Ok, tout va bien. Alors. Non, le jeu, tu ne plantes pas. Toi, interdiction de planter. Ouais. On va mettre une ballerine à danser. Je sais pas où est-ce que je vais la garer, mais on va la mettre à danser. Ah, c'est Totel. Attends. C'est toi qui vas là ? Voilà. Et là, c'est... Ah non. Ça aurait été beaucoup plus drôle si elle se faisait éjecter du truc. Je suis pas Brutus, c'est pas vrai. Moi, je suis tout en douceur. Oui, comme les Barbie. Fait, exactement. C'est ça qui est le meilleur, c'est quand elles se font dégager, là, tu les vois se faire catapulter, là. Alors... Une gerbe. Et notre petit mot. Il fut un temps où nous avions tout ce que nous avions besoin. Nous étions heureux. Ok. Ok, ok. On n'est pas du tout dans la dépression, je vous promets. La pendule, tu bouges. Apparemment, pour l'instant, la pendule, il n'y a rien à y faire. Ah, ici, il manque un rouage. Ici, il va nous manquer une grosse balle. En bas, on a quoi? Hop. Le rouage. Et un bouton bleu? Non, tu veux pas? Bon, ok. On a le rouage qu'on avait besoin pour ici. Tiens, Maro. Voilà. Ah oui, mais on en a toujours un qui manque. Chevalo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à celle-là? Bonne question. Appelle un horloger. Oui, là, je pense qu'il faut appeler l'horloger, là. Là, donc là on va mettre le dernier rouage. C'est quoi ce mécanisme dans ce chapitre 2? Qu'est-ce que c'est que ça d'aller? Donc ça, ça tombe. Ok. C'est un champ mauvais. Je sais pas c'est quoi, mais c'est bizarre. Point de jugeance. Je suis une sniper. Coup de chance. Bon, dis donc. Tu m'as aussi vu.
Retour vers le futur, exactement. Non, sur le coup, il n'y a plus personne en dessous. Non. Ok. Ok, donc ça sera à classer. Alors, suivant quelle heure, je ne sais pas encore. PlayStation. Tu as vu, toi, le... le rappel de PlayStation, toi. D'accord. Ah. Donc, ça fait étoile en haut, triangle, carré et rond. Donc... le rond, il va là. L'étoile, elle va là. J'ai un doute avec le triangle. Vous connaissez ma mémoire de poisson rouge, hein. Triangle carré et le rond est en bas. Attention, qu'est-ce que ça va nous faire? Moi je dis quand même, dans le chapitre 2, c'est de sacrées portes. Hein. Le chapitre 1, c'était des portes classiques. Là, franchement, on n'est plus dans les portes classiques. Hein. Odyssée océanique. Cependant, il ne fallut pas attendre longtemps avant que l'avidité ne prenne le dessus. Ok, en fait, dans tous les niveaux, ils sont sur l'avidité. Hein. L'avidité, apparemment, le créateur du jeu est... on est tout retourné de l'avidité. Hein. Ça a l'air de le... Ça a l'air d'être un sujet récurrent dans son esprit. Ok, j'ai un élément en bois. Mais la cordage, elle est pétaille. Pas sûr que ça fonctionne. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bateau est en train de se faire tirer par le poulpe. Moi, j'essaie de sauver le bateau. Pirates des Caraïbes, c'est un peu ça. Mais honnêtement... C'est ici que je vais faire les trucs. S'il fait, je prends de la corde. Voilà. Là, il coupe la mieux. Flèche. Thank you.
Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. C'est totalement ça. C'est là, les loquets, là, on peut les sauver, normalement. Non, tu veux pas? Si tu tiens pas, si tu tiens pas, tu veux que je te dise. Il y a deux trucs que j'ai gagnés, je sais pas où est-ce qu'il faut que je les fiche. Hein. Ok, j'ai enfourné les flèches, mais maintenant j'y fais quoi? Si on frappe à l'aveugle, est-ce qu'on peut faire croire qu'on s'est pris un mur? Oui. T'es pas censé l'avoir vu. Mais faut que je fasse quoi? J'ai comme pranké dalle. Attends, en bas, il y a pas un truc. Non, c'est toujours ma planche. De se faire chevaucher, voir si ça passe, mais ça passe pas. Mais faut que je les mette tous ces deux trucs là. Bah, j'ai essayé de tourner les maps, mais ça marche pas. Non, rien, j'essaye, mais non, elle bouge pas. Je me dis que ça serait ici, mais ici j'arrive même pas à défaire les crochets. Je t'enfonce dans la bouche, non? Je sais pas. Non, puis j'ai encore mes deux trucs, mais je sais pas à quoi ils servent. Ils fichent sur le bateau? Je les mets sur les tentacules. Je sais pas. Attends, est-ce que les queues des poissons, là, je peux les... Ah! Attendez, elle n'avait pas vu les queues des poissons, elle donne. T'as vu ça un peu? Voilà, il fallait bien les tourner. Oui, il fallait les tourner, mais passer par les poissons et non pas passer directement par le truc. Ah non, mais des fois, ils cherchent. Ah. Des fois c'est compliqué, mais alors des fois c'est tellement simple que tu te dis mais attends, vraiment? Vous aviez plus d'idées, les gars? Salut mon petit chat. Hop là.
Alors. Attention. Et alors, ils ont ficelé la porte, ils voulaient pas que je passe sur ce coup-là. Le peu d'entre nous a... sans apercevoir... Attends. Le peu d'entre nous a sans apercevoir fut vite réduit au silence. Il y a un problème là dans la phrase ou c'est moi qui bug? Le peu d'entre nous a sans apercevoir fut vite réduit au silence. Ah, le peu d'entre nous a sans apercevoir. D'accord, ok, excusez-moi, j'ai bugué. Je l'admets, c'est moi qui ai bugué. C'est Yoda qui a écrit. Non, c'est pas toi, Boubou. Ok, un papillon, un fanion militaire et une barrière. Je vois pas le rapport, mais ok. Le papillon vole par-dessus la barrière et il devient militaire. Je sais pas. Les poubelles, j'imagine, faut que je vous dégage, là. Merci pour l'appel. Ah, papillon. Oh, Simon. Oh, il doit y avoir un truc que j'ai pas. Il y a un truc dans ça, un truc. Apparemment. Ah, on a une bonne nouvelle. Mais tout à fait. Ok. Ah, c'est que même pour les poubelles, maintenant, il me faut des... Circuit de transmission, arbre de transmission. Et je suis pas mécano, hein, les mecs. Hein. Faut se calmer. Hein. Un marteau, ça, je connais. Ok. Battu, j'ai un coup de marteau sur la quad. Oh, quel dommage. Rien que pour le plaisir, j'aurais aimé. Merci. Mais non, t'affole pas, Simon. C'était là que je voulais aller. Ah, tu veux pas? Non? Bon, ben ok. Bon, maintenant ici. Comment ça fonctionne cette affaire? Coup de pelle? Non? Bon, ok. Ok. Oh mais dis-le si un jour tu veux mettre ton charbon quelque part. Hein.
Vu que je le colle où son charbon, lui, là. Dans les yeux, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais sérieux? Oui, de l'autre côté, ouais, y a des fenêtres comme des yeux, ouais. Je pense que ça serait là-dedans. Mais non, 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 ça marche pas. Oh non, du coup qu'ils ont quand même... Ah. Ok. Qu'est-il ? Est-ce que ça a débloqué quelque chose ? Pas du tout. Est-ce qu'ici elle va mieux? Que dalle. Bon, j'ai réussi à faire un truc, j'ai réussi à perdre mon marteau en collant un coup sur la porte. Bon là je capte pas là. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, parce que alors là, franchement, je capiche pas. Remontre le schéma des logos. Ça ? Le truc c'est que je sais pas comment les enclencher parce qu'en fait j'ai tu vois. Je sais pas comment elle est coincée dans le. Merci le jeu. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Dors. Non, je peux pas tourner les couleurs, ouais.
Bon, on recommence tout. Youpi. Voilà, ça c'est fait. Car tu peux passer que les pièces glissent par gravité. D'accord. Le vert, c'est le bleu, c'est le papillon. Attends. Le bleu, c'est le papillon et le vert, c'est le truc. Donc le vert, c'est celui-là. Ok. J'ai compris. Ma grand-mère a un temps de réaction plus vif. Les mécanismes sont un peu longs. Essaye de se rattraper, vas-y.
Non, le jeu. Merci, le jeu. La Terre ne serait-elle un endroit si horrible si les humains disparaissaient? Non, c'est pas toi. C'est la clé là. Allez, le jeu, merci. Ok. Ok. Ah, c'est que je dois déplacer les deux, ok. Ok. Un cube étrange. Ai-je vraiment envie de faire jouer avec des cubes étranges, moi? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, dalle? Vous êtes au fait pété. C'est pas moi, je vous promets, j'ai rien fait.
voyez? Ça se calme? Et depuis longtemps. Ah oui. Non mais déjà t'aurais même pas dû faire ça en fait. Normalement t'étais au lit. Rassemblement de fuites. Ok, on va rassembler des fuites. Alors. Une bouteille de gaz. Ok, ça commence. D'accord. Non, c'est pas ça qui va là. Ok. Alors, l'humanité mérite-t-elle un nouveau foyer ou doit-elle partager le sort de la Terre? En gros, là, on veut faire péter la Terre, quoi. Entre nous soit dit. Ok. Ok. Pas dit ce que je suis en train de faire, mais c'est super. Ok. Je suis très à l'aise avec ce que je suis en train de faire. Hein. Je sais pas du tout où je m'emmène, mais je suis très à l'aise, je vous promets. Qui vient de se faire dégager. Mal propre. C'est ça qui va le faire aux humains. J'ai pas cracro envie là. D'un coup, je suis pas cracré motivée. Arrêter la machine, mais non, pas extrêmement beau. Je sais pas où j'ai cette pièce là. Parce que là, j'ai rien là. Voilà, il y a une manuelle. Mais... Allô le jeu? Est-ce que tout va bien? Allô le jeu?
Je sais pas pourquoi j'avais senti venir. Hop. Non, c'est bon, c'est resté. Parce que d'ici là, quand on est comme ça, donc on regarde là, on a un levier là. Mais j'arrive pas à le... mais là, je peux plus rien faire, là. J'essaie d'arrêter, de... Mais je peux plus rien faire, là. Je suis censé faire quoi? Parce que là, il me reste ça. Mais il me faut un tournevis pour dévisser. J'arrive pas à arrêter. Je vois, ça me ramène à ici, mais ici, j'arrive pas. Bah là, écoutez. Je l'ai fourni dans la main, je pense. Là, écoutez, je vois pas. Je vois pas ce que je peux faire. Je sais t'arrêter. Non, c'est bon, il revient du. Mais je vois encore. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que là, honnêtement. Vous savez, même si je vous demande pas, vous pouvez proposer des trucs. Hein. Attendez pas que je vous demande. Hein. Mais là, honnêtement, j'arrive pas à voir. Ça, j'arrive toujours pas à la descendre. La boule, la noix, pardon, il n'y a rien à faire. Là, pour moi, il n'y aurait qu'à ce niveau-là, là où il y a un truc à faire, mais... que j'ai pas fait, mais j'arrive pas à le... J'arrive pas à l'amorcer. On va essayer de relancer le niveau, voir. Là, il y a la manivelle. Ah oui, non, je pouvais pas le... Ok, ça. Après, apparemment, je peux plus le désactiver une fois qu'il est activé. Ok. Mais pour là, je vois pas.
problème, c'est que si je réenclenche tout, je vais pas trouver encore. Me manque un truc, mais je vois toujours pas quoi. Faudrait un tournevis, mais je j'ai pas de tournevis nulle part. Ou un truc là, là, mais je vois pas ce que c'est. Et si je te mets... Coucou Valiance! Bienvenue dans le monde du casse-tête tiré par les cheveux. Je peux pas te faire tourner dans l'autre sens. Non. On a pu inverser les choses, mais non. C'est la bouteille de gaz. Là, c'est la pince. T'as fait pas de cadeau toi. Hein. C'est cool, cool la bouteille de gaz, je vois pas à quoi ça sert. C'est peut-être là. Voilà. Si j'avais pas réussi à enflammer tout à l'heure le truc. Ça va, Magnon? Alors. Voilà, deux une. Là, c'est la rose. Deux. Je sais pas. TikTok a décidé de me déconnecter de live. Bon. Hop. Voilà, ça
marche mieux quand on arrête. Non, mais... Oui, bien. Ah, bah c'est cool, ça va bien. On est toujours à la poursuite du chat noir qui nous annonce des choses très douces et gentilles pour la race humaine. En gros, là, sur ce chapitre-là, il est en train de nous proposer si l'extermination de l'humanité serait pas mieux. En fait, il nous laisse deux choix. Il nous laisse entre l'extermination de la race humaine ou l'extermination de la planète. Voilà. Donc, non, il a l'air vachement sympa ce jeu aujourd'hui. Ok, carrément une combinaison de trucs nucléaires, ok. Faut qu'on arrête de jouer les apprentis, je sais pas quoi. Ils ont vraiment de l'idée. L'humanité a déjà essayé de s'autodétruire plus d'une fois. T'as compris que tu voulais nous désinguer. Hein. On a pas vraiment beaucoup de complications à le comprendre. Ah, c'est tout seul. Ne m'en veuillez pas de ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis innocente, c'est le jeu. Une autre.
Utiliser des produits chimiques hautement corrosifs, c'est une façon de faire. Je sais pas vraiment ma façon, mais j'utilise une clé, mais mais ok. Une pince radioactive et une goutte d'acide. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si t'as ta porte qui est bloquée, tu sais quoi faire maintenant, tu... Ben voilà, quoi. Par contre, si tu vois les flics débarquer, tu... Voilà, quoi. On a gagné un balai. Youpi. Finalement, certains ont commencé à chercher une échappatoire. Bah lui, je crois qu'il cherche plus rien. Si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il cherche plus rien, là, le monsieur. Il me faudrait un truc pour attraper ça là-dedans. Ok. Ah, je pensais sonner plusieurs fois, mais non, ils m'ont dit directement de virer la sonnette. Je sais pas c'est qui a créé ce jeu, honnêtement. Mais honnêtement... La personne... Je dirais bien qu'elle doit avoir des soucis psychologiques. Au nom d'une cacahuète. Ok, on arrive au deuxième étage. Bah, t'as qu'à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans une cacahuète? Comment je la pousse, ça? Devant falloir un deuxième roulement comme ça. Mon ami de couteau, vas-y. J'aime beaucoup les gens qui travaillent à faire des fauteuils dans ce jeu. C'est...
c'est le troisième fauteuil qu'on désingue les coutures. Sans demander leur avis d'ailleurs. Alors, la numéro 5. Poltron et sofa. Je sais pas si c'est poltron et sofa, mais en tout cas, il a vu le prix de leur fauteuil. Je serais pas franchement très très à l'aise de savoir que... Quelqu'un passe avec un couteau et désingle le fauteuil en deux. Je dis ça, je dis rien, mais voilà quoi. Ah, c'est celle-là encore, non? Attends, j'ai pas eu le temps. T'as bougé trop vite. Mais non, t'as mis 40 patates, ah purée. Ah, c'est qu'est-ce qu'on prend leur truc. Merci, Valiance. Soi-disant fabriqué à la main en Italie. Oui. On a l'habitude, hein, des pubs plus que mensongères. Non, 50. Purée. Tu m'énerves. Je serais pas bonne voleuse de coffre-fort, moi, je vous le dis. Hein. C'est bon? Tout valide? Je peux passer à autre chose? Et 25. C'est pas celui-là. Donc ça va être l'autre. Ah, j'ai qu'il y a celle-là. Ah, bah elles ont toutes des codes en fait. Attends, faut que j'aille voir par rapport au code. Bah, pas par rapport au code, par rapport au corps. Alors le corps, t'es posé comment? Olé, olé. Il a perdu sa main. Ça peut être un indice. Ok. Sa main est dans le coffre, ça serait possible. Alors, c'est pas celle-là. 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 Non, pour moi, c'est celle-là. On a mal vu le code. 35, 60, 75. C'était pas la même. 35, 60, 75. Mais non! C'est nul.
Sous de moi là. 35. Purée, mais tu m'énerves. Au suivant. Purée, mais... Non, c'est nul ce bout de bazar. Je comprends pas comment tu valides le truc en fait. Là c'est 35. Ça m'énerve. Là, c'est vraiment en train de me saouler, ce mécanisme-là. Tu vois, je clique n'importe où. C'est bon, tu le valides, tu as ? Vous avez compris comment ça marche ou c'est réellement en train de me gonfler là? Note pour un coffre-fort digital, je pense. Ça sera plus simple. J'ose pas appuyer sur le champignon, parce que si j'appuie sur le champignon, ça peut tout faire flancher. Alors. Cette clé, par contre, je vois pas où, à quoi correspond. La clé de la porte, déjà? Ok. Et on va s'arrêter là, les enfants. Le coffre m'aura suffisamment... suffisamment couru sur le haricot. Vous croyez qu'il y a du monde sur ce jeu? Est-ce que vous croyez qu'il y a du monde sur ce jeu? Est-ce que vous croyez que je suis la seule fada à faire ce jeu? Eh ben ouais, je suis encore la seule fada à faire ce jeu. Eh ben ouais, je suis encore la seule fada à faire ce jeu. Eh ben ouais, je suis encore la seule fada à faire ce jeu. Eh ben ouais. Je sais même pas pourquoi je me pose encore la question de qui est assez fada pour faire ce jeu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le choix entre 1 et 5. Qui choisissez-vous ? Hop. Yes. Yes, yes, yes. Non. Hop. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti.
bonne nuit Valiance, bonne nuit à tous, reposez-vous bien, oui, je vous retrouve demain, donc demain on fera 14h-16h, on fera du Assassin's Creed, je vais continuer Assassin's Creed, honnêtement, My Time at Portia, je pense que je vais le retirer du planning, j'ai plus rien à faire dessus, je m'ennuie dessus, donc, et puis Assassin's Creed, on a beaucoup d'heures encore à faire dessus. Donc autant caler maximum Assassin's Creed Odyssey. J'allais dire voilà, mais je l'ai pas. Donc demain, ce sera Assassin's Creed et Darth Paradox encore pour le soir. Donc voilà, mais moi je vous dis à demain. Bonne nuit, reposez-vous bien. À demain. Ah non. Vas-y, t'es relou, gars. Come on.